Pour la première fois depuis des mois, les voyageurs des États-Unis et de l'Union européenne peuvent désormais venir au Royaume-Uni sans avoir besoin de se mettre en quarantaine à leur arrivée. Bonne nouvelle pour les millions de personnes potentiellement concernées. Nous nous sommes mariés pendant la pandémie et c'est vraiment excitant de venir ici et passer beaucoup de temps avec lui et sa famille, au lieu de devoir rester seul pendant quelques semaines. La dernière fois quand j'étais ici, c'était vers Noël 2019. Donc l'année dernière a été une année difficile pour beaucoup de gens, beaucoup de familles. Je pense que nous faisons partie de la première vague d'Américains à venir. Nous faisons partie des restrictions qui sont levées, ce qui est vraiment excitant. Très heureux, très heureux. Comme vous pouvez l'imaginer, rentrer à la maison après si longtemps peut être vraiment excitant. Ce ne sera pas comme d'habitude cependant. Les passagers devront toujours passer un test Covid-19 avant le départ et un autre le deuxième jour après leur arrivée. Mais pour l'aéroport Heathrow de Londres, autrefois le plus fréquenté au monde, il est vital de relancer les voyages internationaux. L'aviation est une question de connectivité et nous sommes une petite nation insulaire. Nous sommes une nation commerçante et pourtant nos routes aériennes sont bloquées depuis 18 mois. Maintenant, nous pouvons enfin commencer à revenir à la normale et en particulier se reconnecter avec les États-Unis, notre plus grand partenaire commercial. L'industrie dit qu'il s'agit d'une décision positive, mais elle veut que les choses s'ouvrent encore plus rapidement. Moins d'un million de passagers ont transité par Heathrow en juin, c'est près de 90% de moins que le niveau d'avant la pandémie. Les aéroports et le secteur du voyage au sens large, ici, veulent que davantage de destinations soient accessibles sans quarantaine lorsque les règles seront réexaminées cette semaine. Mais de nouvelles listes de surveillance pour certains endroits signifient que les voyages resteront incertains, ce qui est susceptible de dissuader de nombreuses personnes de réserver des voyages. Pendant ce temps, le coût économique s'alourdit car près de 10% de l'économie britannique dépend des voyages et du tourisme. Le chancelier Rishi Sunak fait partie de ceux qui demandent un assouplissement des restrictions. Mais avec des variants de coronavirus provenant de l'étranger et le virus se propageant toujours ici, les responsables disent qu'ils seront prudents et n'agiront pas à la hâte.